Ils l'ont fait, regardez qui arrive en portail d'invocation, Monsieur Beast Gohan qui vient d'arriver sur Dragon Ball Legends. J'espère que vous allez bien, en forme, que vous avez passé une bonne journée. Bon, je sais que je sors la vidéo avec un peu de retard, il y en a qui ont déjà invoqué. Moi, je veux savoir dans les commentaires qui a réussi à l'obtenir parce que il est exceptionnel. Pour ceux qui connaissent pas cette forme de Gohan, ça vient du film Dragon Ball Super, Super Heroes qui est sorti au cinéma il y a quelques jours en France, mais qui était sorti, je crois, il y a 3-4 mois en arrière déjà dans le monde entier. Ouais, on a pris une douille en France et malheureusement, c'est bien triste. Mais écoute, moi le film, je l'ai vraiment giga kiffé, j'ai adoré le film Dragon Ball Super, Super Heroes, et bon, ce Gohan là, bah exceptionnel mon gars, exceptionnel, donc là, il en fallait pas plus pour me hype aujourd'hui, ça va aller invoquer très très fort. À côté de ça, on a quand même un Piccolo, on a la petite Pan aussi, le Piccolo, moi je l'ai bien aimé dans le film, j'ai adoré, donc franchement, je suis très content de le retrouver ici. Pan pareil, je la trouve vraiment trop stylée, donc là, ça va aller invoquer fort. On va cracher un peu les cristaux, bon j'en ai que 6000 de côté, ça paraît pas énorme. Écoute, si jamais je ne l'ai pas, je ne resterai pas sur 6000 cristaux, voilà, il en est hors de questions. Moi je suis là, je veux cette unité, j'accepte de ne pas avoir eu Broly juste avant, j'accepte de ne pas avoir eu tel ou tel personnage parce que je prends des douilles là depuis le mois d'août. Il n'y a pas de problème. Par contre, Gohan, je le laisserai pas filer. Voilà, Gohan c'est Gohan, c'est le cœur, on rigole pas avec Gohan. En plus, avec sa nouvelle transformation, laisse tomber que je vais le chercher direct. Écoutez, on va y aller. Première multi-invocation, donc c'est une petite multi avec 3 tirages dedans uniquement, 300 cristaux, 3, 2, 1. Ok, attends, ça lance quand même. Ouais, c'est bon, ça lance quand même ma multi-invocation, il y a une erreur, mais c'est pas de souci. Allez, please! Imagine on drop là-dessus. J'y crois absolument pas. Impossible. Sur une multi à 3, faudrait avoir la plus grosse luck du monde. Il y en a forcément, hein. Forcément, je suis sûr dans les commentaires, il y aura forcément une personne. Oh, j'ai un Genki? Ah ouais? Ah, j'ai quand même un Genki, ok, incroyable. Sur une multi à 3, incroyable. Alors, Genki sur une multi à 3, exceptionnel. Mais c'est obligé dans les commentaires, il y aura un mec qui l'aura drop sur la multi à 300. 100%, j'annonce. C'est obligé. Il y a toujours quelqu'un comme ça qui a trop de chance. C'est quoi? C'est un Badak. C'est un Badak Super Saiyajin. Ok, Genkidama pour Badak. J'ai 5+, ok. Je sais pas s'il se joue encore, lui, parce que je me souviens, à l'époque, il était très très fort. Tu passais, tu switchais, et derrière, vas-y, ça bombardait les critiques, les dégâts et tout. C'était vraiment abusé. Il était vraiment très très bon. J'adorais le jouer, ce Badak. Mais aujourd'hui, je sais pas. Enfin, je le croise jamais en ligne, donc j'imagine que ça peut se jouer. Mais c'est un peu plus compliqué. Allez, on va passer au palier suivant. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a taux de sparking à 20%. Ok, et pouvoir Z obtenu doublé. J'aime. Allez, 500, 5 personnages, deuxième multi-invocation. Allez, please. Vas-y, du téléchargement, télécharge comme jamais en bas. Tu bombardes les téléchargements. Voilà, continue, re-télécharge encore. Mets-nous le ciel. Non, par contre, Namek, on commence à en avoir marre de Namek. 3 capsules, pas de Super Saiyan. À un moment donné, il faut aller dans le glacier. À un moment donné, il faut aller dans l'espace. Et nous régaler avec un Broly qui débarque de nulle part. Par contre, là, on a réussi le lancer du dragon. Super Saiyajin, c'est quoi? Crise cardiaque, c'est quoi? Ou ça pousse? Même pas, ça pète au milieu. Alors on réussit le lancer du... Oh, Goku SHI3. Let's go, Goku! Allez, let's go. Je me disais, c'est bizarre quand même. Attends, comment ça se fait qu'on a tout ça pour rien? C'est quand même très, très, très bizarre. Allez, Raditz. Ok, le sparking. Goku Super Saiyan 3. Alors, je crois que j'ai pas beaucoup d'étoiles dessus, en soi. Mais je le vois jamais. Je vois personne le jouer. Sparking. Couleur forme finale. Ça, c'est du troll. Ça, c'est l'agilité. C'est pas le... Enfin, c'est le bleu. Oh! C'est le bleu, c'est pas le rouge. Par contre, 3 sparking, la multi en termes de taux de drop. Broly, Shelai, ok. Ok, et là, c'était le dernier ou il en reste un? Ouais, c'était le dernier, ok. On a quand même 3 sparking. Ouais, c'est pas mal. Et qui passe en plus 3... Enfin, 3 plus. Et sauf le Goku SJ3 qui passe en... Avec sa 7ème étoile. Mais lui, je le vois jamais. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Après, la Team GT, je t'avoue que je joue jamais avec. En fait, le problème, c'est qu'à l'époque où elle était sortie, la Team GT, j'avais pas forcément beaucoup d'étoiles sur les personnages ou j'avais pas les unités directement. Je les ai eues un peu tardivement. Donc, je joue jamais avec ça. Mais à voir. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, pareil, si ça vaut le coup ou pas. Allez, troisième multi-invocation. 700, cette fois-ci. On a, par contre, réellement, on a... Une multi à 7, c'est pas une multi à 10 encore, c'est une multi à 7. Je pensais que c'était une multi à 10, mais pas du tout, c'est une multi à 7 à 700. Téléchargement, ouais, téléchargement encore. Allez, encore un, voilà, télécharge. C'est rouge, c'est 3 capsules, c'est Super Saiyajin, c'est pas mal. Allez, tu le fumes, lancer du... Ah, égalité, oh, ça sent le bleu, ça, non? C'est rouge, ça pète dans sa tête, crise cardiaque. Oh, Broly LF! Broly! Y allez! Let's go, Broly! Allez, let's go, Broly qui régale ici. La fusion. Fusion. Allez, c'est parti. Je fais du bruitage. Je
Allez, c'est parti. Non. Ok, c'est pas lui le LF, parce qu'il y avait le passé en haut à droite, et du coup, ben forcément, on se spoil automatiquement. Allez, please. Ciao, Zou. Allez, s'il te plaît, ça serait exceptionnel. Si on pouvait l'avoir ici, sur cette multi-là, ça serait incroyable. Je l'ai pas. Let's go. Je l'avais pas. Let's go, Gohan. Let's go. Oui, monsieur Gohan. Oui, le Beast. Monsieur Gohan qui tombera ici sur la multi 700 avec cette animation LF. Enfin, un peu de chance. Enfin, une justice dans ce monde. Enfin. Parce que ces derniers temps, on ne dropait rien du tout sur les gens. Hein? Ah, et pas en plus. Allez, pas en plus, plus Gohan. Il ne manque que Piccolo et on est bien. Il ne manque que Piccolo. Et on a les trois nouvelles unités ici. Oh, let's go, la multi. Par contre, j'ai vu, il y avait pas le passé pour pain, j'ai eu peur. Je me suis dit, attends, ça comptabilise ou pas le Gohan? Parce qu'imagine, on récupère un doublon dessus, ça serait incroyable, mais bon. Attends, laissez-moi me faire un kiff. Ah ouais, logique. Logique, je suis obligé d'aller voir ça. Oh là là. Gohan, mon gars. Gohan, tu le sais, dès que je vais pouvoir te faire monter un étoile, Gohan, tu vas monter. Je vais me débrouiller, je sais pas comment je vais trouver les PZLF que j'ai déjà utilisés, mais on va pas te laisser à 3 étoiles, Gohan. Il en est hors de question, mon gars. T'inquiète pas. Et puis, à côté, la petite pan. Bah, en vrai, la petite pan, je prends, parce que vraiment, la carte... la carte, je la trouve trop belle, donc en vrai, pan, pareil, bah, je prends, hein, je prends direct. Ça me fait plaisir, quoi. Alors, techniquement, je pourrais m'arrêter, c'est vrai, mais en soi, bah, écoute, il reste 2 multipayants plus la gratuite, donc on va quand même aller terminer le step, en sachant qu'on aura les 5 médailles pour récupérer un ticket Sparking. Voilà, on sait jamais, hein. Écoute, il y a encore des chances d'aller obtenir le Gohan, qui sait, avec des doublons, ça serait vraiment très très dur, très très chaud et extraordinaire, mais sait-on jamais. On est parti, du coup, let's go. 3, 2, 1, la multi extrême ou plus garantie, en général, elle porte bonheur, ça. Enfin, je dis bien en général, parce que des fois, c'est une catastrophe, mais ça peut être pas mal, il y a pas mal de téléchargements. Ouh, ça télécharge beaucoup. Ouh, ça télécharge énormément en bas là. Ouh, j'aime beaucoup ça. Ça, j'aime beaucoup, hein. Ok, ouah, bah en fait, j'aime pas du tout. 3, Super Saiyan quand même, sait-on jamais. Allez, voyons voir, tu lui casses la gueule, égalité. Égalité, c'est bleu, c'est rouge, c'est quoi? C'est rouge. Allez, on le défonce sous crise cardiaque. Non? Ça pousse? Ok, ça pousse, c'est du Sparking. Bah en vrai, si on pouvait aller récupérer Piccolo, en vrai, ça serait le top du top, hein, vu qu'on a eu Pan déjà. On a eu Gohan. Si on pouvait avoir Piccolo, ça serait pas mal. Putain, elle est trop belle la carte de Trunks et Gohan. Oh, Sparking, ok. Qu'est-ce que... Kefla, ok. Kefla, je t'avoue que un peu flemme, hein, sachant qu'on commence à l'avoir avec énormément d'étoiles, elle. Hein? Piccolo! Ah, c'est Gamma 2! Putain, je l'ai pas! Putain! J'avais oublié qu'il y avait le Gamma 1 et Gamma 2, et c'est vrai que je les ai pas! Putain, il n'y avait pas le passé en haut à droite! J'ai cru à Piccolo! Ah! Gamma 2, en soi, bon, en soi, je prends, hein, une nouvelle unité que je n'avais pas, mais... Oh, Sparking encore? Ok, Mai, à l'ancienne. Mais c'est vrai que... Bah, ils tombent un peu tard, Gamma 1 et 2. Après, je faisais les singles sur leur portail quand ils étaient sortis. Ça voulait pas tomber sur les singles. J'ai tous les jours, j'étais dessus. Et vas-y, la single, et vas-y. Et au final, bah non, ça tombait pas. Bah ici, on a Gamma 2. Gamma 1, peut-être, que j'ai déjà, par contre. Je troll, mais... Putain, elle est vraiment trop belle, cette carte. Elle est vraiment trop stylée, je trouve. Ok, et en plus, il passe 3 étoiles. Ici, 3 étoiles également. Alors, ça fait des étoiles sur des petits personnages extrêmes. Bon, on dit pas non, on crache pas dessus. Avant-dernière multi-invocation, du coup. Avant-dernière, c'est une vraie multi, elle coûte 1000. Et ensuite, il y a la multi gratuite plus le ticket. Voyons voir, c'est la dernière multi payante. Vas-y, télécharge comme jamais. Vas-y, mon pote, continue à télécharger. Oh là, j'ai cru que c'était bugué. 3, 4, 5 capsules. Par contre, c'est Namek encore, Super Saiyajin. J'aimerais bien une petite animation, aller au moins une fois aller dans l'espace ou sur le glacier. Lancer du dragon réussi. Allez, fume-le. Oh, glisser bleu comme ça, ça va pousser ou crise cardiaque, ça, non? Je vois pas ce qui... Ouais, ça va pousser. Je voyais pas ce qu'il pouvait y avoir d'autre avec un glisser bleu ici dégueulasse. Allez, sait-on jamais. Il peut y avoir quand même un petit quelque chose qui se cache. Goku, j'adore la carte aussi. En plus, très bon passif, lui, quand tu le mets sur le banc. Piccolo. Alors, Sozer. Bido, ok. Ça récupère des étoiles sur des petits extrêmes comme ça. Kulilin. Oula, on va avoir un seul Sparking ici. Ouais, un seul Sparking. Goku. Ah non, deuxième Sparking. Ok, mais j'ai rien dit. Il y a deux Sparking. Oh, le Trunks jaune de l'époque.
Il était tellement bon quand il venait d'arriver. Bah, il était arrivé pendant un anniversaire, non, le Trunks jaune. Je crois qu'il était arrivé pendant un anif. Je sais plus lequel. C'est pas quand il y avait Végéto. Je crois qu'il y avait le Végéto Blue et je crois qu'il y avait Trunks également. À moins que je confonds. Mais il me semble qu'il était là à ce moment-là approximativement et il était très très bon à l'époque. Qu'est-ce qu'il régalait, lui, trop fort. Hein. Vraiment trop trop fort. Bon, ben il nous reste la multi-invocation gratuite. Pouvons-nous faire l'exploit d'aller chercher un deuxième Gohan là-dessus? Pouvons-nous faire l'exploit d'aller récupérer un Piccolo que nous n'avons toujours pas, ou peut-être des doublons sur Pan? Eh bien écoute, réponse dans quelques secondes, sachant qu'ensuite on a le ticket pour le Sparking Guarantee. Allez, s'il vous plaît, du téléchargement, ouais ça télécharge, c'est pas mal, c'est pas... Ouh, ouh, ça télécharge là. Allez. Par contre j'aurais... Et autre chose, trois capsules, Namek... Ok, égalité en plus, pas de Super Saiyajin, rien, ça va être bleu ici. Waouh, ouf, oh la multi dégueulasse. Ouh, la multi, j'ai envie de cliquer sur passer là. Ouh, j'ai envie de cliquer sur passer très très fort. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais un miracle, j'en sais rien, un truc qui switch, un petit sparking sorti sans animation, sans rien. J'y crois pas du tout avec une animation comme ça, mais bon. Sait-on jamais, hein. Est-ce que vous avez déjà eu des très bonnes surprises en skippant une multi-invocation, genre dans le sens où vous voyez que vous avez une animation de merde, vous dites allez je skip, et au final bah vous avez un personnage de fou dedans ou le personnage vedette limite. Oh bah tiens un sparking. Dabla. Bon. C'est vrai qu'on aurait bien aimé terminer avec un LF, mais non. Alors, ceci dit, on a eu un LF de la multi. Enfin de la vidéo et c'est Gohan. Donc franchement. On est bien, soit il n'y a pas de troll sur les LF pour le moment, ça fait plaisir. Allez, c'est l'heure du ticket Super Hero, mon pote. Allez, Dragon Ball Super Hero. Allez, please, un petit peu de chance. Oulala, 5 capsules. Bon, de toute façon, on sait que c'est. Bah, Vegeta, bon, c'est pas une animation de fou. Allez, je skip. Ça sera un vieux Sparking. Ah bah, c'est un super Vegeta. Il est venu dans l'animation et il est venu dans la multi-invocation. Et d'ailleurs, je viens de récupérer. La dernière étoile, la 7ème rouge, là du coup, la 14ème. Ok, bon, bah écoute, ça se termine là-dessus. Y a pas de doublon dessus, mais c'est quand même Gohan qui est tombé. Alors j'ai pas Piccolo, certes, c'est dommage. J'aurais bien aimé l'obtenir. Après, rien ne m'empêche de claquer toujours, tu sais, la petite multi 500, 700. Mais est-ce que c'est vraiment rentable? Je sais pas. Et puis surtout, c'est le genre de bail où après, derrière, t'as envie de terminer le step. Et bon, en sachant que j'ai que 2000 cristaux de côté, qu'il y a bientôt le Legends Festival qui arrive au mois de novembre. Déjà, avoir obtenu Gohan en 3 étoiles, c'est déjà pas mal. Après, on peut toujours donner des PZLF. Là, j'en ai pas de côté, il me semble. Mais va y avoir possibilité d'en récupérer, donc ouais, si je peux choper ça, ça serait vraiment pas mal, quoi. D'ailleurs, regardez au niveau des personnages qui me manquent dans la box, en vrai, il m'en manque pas tant que ça. Ouais, le Gogeta 4 que j'arrive toujours pas à choper, d'ailleurs, hein, il me rend fou ce Gogeta, j'arrive pas à le choper. J'ai pas eu Trunks dernièrement, j'ai pas eu le Mecha Freezer, pas le Badak, c'est vrai que j'ai pas le Badak. Et voilà, il y a quelques unités que j'ai pas, mais en soi, en sachant que je mets très très peu d'argent ces derniers temps dans Legends, voire pas du tout, je trouve que ça va, je me débrouille pas trop mal au niveau de la box. Après, en termes d'étoiles, c'est juste, hein, voilà, je me retrouve avec des 2, 3, 4 étoiles des fois, mais mis à part ça, écoute, ça va, dans l'ensemble, ça va. Et ouais, j'ai pas de PZ, il lui en faut 200 pour passer à la 4ème étoile, qui j'imagine sera quand même assez importante. Allez, écoute, Monsieur Gohan, il est dans la box, voilà, je vous l'affiche pour la fin. La chance était avec nous aujourd'hui, il y a une justice dans ce monde, croyez en vos rêves, invoquez bien, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez obtenu, et puis si vous invoquez à la suite de cette vidéo, je vous envoie le reste de chance que j'ai, le reste du doigt de la justice, je vous envoie Izuku, Midoriya, tout ce que vous voulez, en tout cas bonne chance à ceux qui invoqueront par la suite. Voilà, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, vous bombardez les pouces bleus, vous commentez, ça fera toujours plaisir pour le référencement, ça fait toujours plaisir le soutien de cette manière, peu importe que ce soit via un pouce bleu ou un commentaire. En tout cas, merci à ceux qui le feront, à ceux qui joueront le jeu. N'oubliez pas mes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Vous avez mon TikTok, vous avez ma chaîne Twitch, vous avez Instagram, vous avez Twitter, vous avez tout, vous avez Snap, bref, vous avez tout ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de venir discuter ou partager vos drops sur n'importe quel réseau social avec grand plaisir. Et puis sinon, nous on se capte rapidement, bah, parce qu'on va faire une vidéo, on va le tester ce Gohan. On peut pas rester ici, le drop et ne pas l'essayer, c'est hors de question. On va essayer de composer une petite équipe. Je crois on va call Monsieur Zaraki, on va lui dire pop pop, on a besoin d'une équipe là pour le Beast Gohan. Tu nous prépares ça et on reviendra tester un peu, voir ce que la bête
eh bien, elle vaut. En tout cas, je vous laisse ici. Excellente fin de journée. Amusez-vous bien. Profitez bien, désolé. Voilà, jouez bien et bonne chance à tous pour vos invocations. Et vive Beast Gohan. Ciao les gens.